Et là, vous allez me dire, oh, le son il est trop fort, ça va pas. Blablabla. Eh, normalement, nouvel habillage de chaîne, il est ultra top. Enfin, nouvelle scène. Bonjour à toutes et toutes. Je suis en train d'hurler dans le micro, faut que je me calme. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est bien. Alors, j'ai envie de dire, j'ai la pêche, ce qui est vrai. Ce qui me fait peur, c'est que j'ai très peu dormi cette nuit. Mon dîner n'est pas passé dans le bidon. Et j'ai dû faire que 6 heures de sommeil. Donc je sais pas ce que ça va donner. J'espère tenir éveillé jusqu'à 22h. Je ne diffuserai pas jusqu'à 22h. D'ailleurs, j'aurais des trucs à vous dire, mais je vous le distillerai au fur et à mesure de la journée. Bref, installez-vous confortablement, puis on va... Je sais même pas si vous m'entendez. J'ai mis le son à fond. Je suis fou, comme vous le savez. Eh, pas mal! Je suis en train de regarder mon retour sur ma tablette en contrôle. Enfin, je ne tiens qu'à moi, c'est subjectif, mais j'aime bien. Ah merde, on m'entend. Oh le con. Je vais mettre un casque, histoire qu'on m'entende pas en double avec 10 secondes de décalage. Et honnêtement, c'est pas mal, hein, je trouve. Bon doule, Nash. On s'est vu un petit peu, hein, donc tout à l'heure, on avait discuté par rapport à Minecraft hors antenne. Donc je sais que tu vas bien et c'est cool, merci à toi d'être là. Je sais pas si la musique est trop forte ou si ça va, si c'est équilibré. Je pense que c'est équilibré. J'ai fait en sorte d'optimiser la musique du jeu. Et par contre, j'ai baissé le son des pampans, des flingues, parce que à la longue, c'est saoulant. Enfin bref, je reste sensible à vos retours, vous me dites. Mais là, normalement, vous avez un truc tip-top. Hein. La musique, elle est stylée. Allez, c'est parti. Alors, je suis dans la mouise, moi, parce que j'ai quasiment plus de vie. J'ai plus de vie! Oh, merde. Bon, d'entrée de jeu. L'ensemble est un peu fort. Ok. Quick. Toi, tu aimes le rock. Alors attends, master volume. Voilà, là j'ai déjà baissé de 4 petits jetons. C'est équilibré avec ta voix, mais l'ensemble est fort. Ok. Au fur et à mesure, chaque fois que je cuis, que je meurs, vous me direz si je monte, si je baisse. Mais merci hein, de prendre le temps de me répondre. Merci Nash, c'est adorable. Ça c'est bien, tout le monde va pouvoir en profiter. Si je tire le robot, il est déclenché ou pas? Non, je vais... Mais attends, mais le robot il est plus là. Oh la vache! Eh, pas mal, à chaque fois que je recharge une partie, ça change des certains trucs. Oh merde, j'ai buté mon coéquipier, le con! Oui, non mais tu fais bien, je suis pas là non plus pour vous faire saigner les oreilles. Merci Nash. Je t'avouerai que pour moi aussi c'est mieux, histoire de préserver mon ouïe. Si j'ai la chance de vivre vieux. Ah, soupir, soupir. Merde. Ah. Ah ouais, il fait le ménage. Ok, il tire sur je sais pas qui, je sais pas quoi, mais il tire. Ah ouais, il les bute. Bravo les gars. Bon bah je vous laisse faire votre job. Putain, c'est couillon, j'ai buté un coéquipier dès le début moi. Oh le pauvre. Et je marche dessus, c'est dégueulasse. Alors, qu'est-ce que t'as aujourd'hui? T'es à plat? Oh mon dieu, je vous ferai cette terrible vanne quasiment à chaque fois.
Je ne peux pas m'en empêcher. Oui, donc le retour est bon. Merci, Nacheman. Je vais éteindre ma tablette. Enfin, je vais la mettre en veille. On va pas bouffer de la batterie pour rien. Ah, en parlant de batterie, je suis un ego. Encore que, comme je suis en jour de diffusion, il faudrait que je me recharge en USB une de mes batteries portables. Elle est complètement vide, la pauvre. Je l'ai complètement sollicité cette semaine. Ah oui, c'est l'escalier piégé. L'escalier piégé. Donc voilà, j'ai passé une petite demi-heure là tout à l'heure avant de lancer pour faire un habillage de chaîne mieux là par rapport au jeu. Comme j'ai vu que j'avais deux petites bandes noires sur les côtés, j'y tiens ce vide, je vais l'exploiter. Et finalement, vous voyez tout. Donc c'est cool. C'est cool. C'est cool, Raoul. Attends, j'espère que je vais pas faire de la merde. Oh merde, des rats. Les rats de Dragon Sky. Oh non. Non, il y a rien, c'est dégueulasse. Oh, c'est un scandale. Tout ça pour deux rats. Enfin, en même temps, ça fait crédible. Entre grosses guillemets. Mais, oh merde. J'ai cru qu'il allait jamais crever. Il y a des bugs de collision. Hein. Parfois, on tire, il y a comme un mur invisible qui retient les balles. Ça fait Kajibi. Bon, il est un peu... bizarroïde, le Kajibi. Oh là 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 là. J'ai mis un coup de pied à la fourmilière. Alors, avant de lancer le jeu également, j'ai pris le temps de lire le manuel. Je l'ai téléchargé, je l'ai survolé. Lu est un bien grand mot. J'ai la touche F qui permet de dire follow en anglais, suivre, à mes coéquipiers ou leur dire rester indépendant. Par défaut, ils sont indépendants. Mais je retiens F. Et puis j'ai appuyé sur la touche H pour health, c'est-à-dire la santé en anglais. Et du coup, vous voyez la valeur précise de ma santé. C'est l'espèce de petite croix verte, là, le petit plus vert en haut avec le 66. Bon, là, comprenez que je suis dans la mouise. Parce que c'est pas un taux, hein, c'est pas 66 sur 100, c'est un truc du genre 66 sur 500. Oh, la galerie! Je me souvenais pas qu'il y avait des galeries de... Mona Lisa. alors attends, là ce qui est marrant c'est si c'est des tableaux célèbres, va les reconnaître. À part Mona Lisa, je reconnais pas. Yop cousin, j'espère que tu vas bien. Merci à toi de passer faire un petit coucou. Ah, je me souvenais pas qu'il y avait des tableaux dans le jeu. Ça me ferait presque penser à un Resident Evil, le premier en 3D là. D'ailleurs, Christella en avait fait un jeu fait par les fans, totalement non reconnu évidemment par Capcom, mais qui était pas mal du tout. Toi. Ah mon dieu. Et tous les interstices, peut y avoir un ennemi planqué. Oh, on dirait du Dali, ça. Stylé. C'est... Oh, j'ai la mer noire. Je dis nain. Je sens que je vais me faire abattre, mais alors d'une manière peu glorieuse. J'aime pas la config du... Alors là, il y a un truc qui a changé aussi. Quand vous regardez près de mon arme en bas en vert annoncé, vous voyez la lettre F. Alors je sais plus ce qu'elle veut dire la lettre F. Par contre, on voit un petit carré coloré qui est en jaune. C'est-à-dire que j'ai liquidé la moitié des ennemis du niveau. Et quand il passera au vert, c'est que je serai passé sous la barre du quart d'ennemi restant à abattre. Et ça veut même dire que mon accès au l'étage suivant est toléré. On s'y perd, hein, ça devient... Alors, je suis au niveau 15 et le manuel m'a rappelé ma douleur. Puisque il y a 40 niveaux.
Donc, je vais vous le faire. Ouais, t'as la forme, c'est cool, cousin. Je suis au 15e niveau sur 40. Donc, autant dire que le jeu, je vais vous en faire déguster pendant encore pas mal de week-ends. Pour mon plus grand plaisir. Oh, l'ambiance rock, elle est extra. Let's rock. C'est mes copains. Oui, ils sont dans la réserve. Oui, j'en ai besoin. Oui. Ah oh, ouais, je me sens mieux. D'ailleurs, c'est con, mais je suis l'idiot, mais faut que je sauvegarde. C'est F9 la sauvegarde, je crois. Ouais, F9. Ah oui, à chaque fois que je démarre un niveau, il faut que j'aille dans le menu, lui dire « Tu m'écrases ma sauvegarde. » Allez, on va faire 0-2. On va fêter le... On va tout fêter. Continue, allez. Ah merde. Oh la vache. Ça bouge encore. Wow, la config de mort. Je t'ai vu, salopard. Ah, il a essayé de me contourner. Oh là là. Je regarde sur la carte en même temps s'il y a... Si, il y a un truc secret, là. Il y a un mur qui coulisse quelque part. Non, pas par là, par là. Je suis un abruti. Je suis un abruti. Oh, 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 oh. Terroriste! Je l'ai vu. Ah. Alors, ouais, lance-flamme. Et le manuel disait qu'à un moment, on peut avoir un... Comment ça s'appelle? Un lance-boulette, là. Un lance-grenade. Donc, violence. Oh, c'est beau, c'est la ville. Le fameux mobilier, putain, l'écran CRT qui est en haut, ça me rend fou. Ça me rend fou. Oui, donc ça, c'est la planque du truc. Tac, 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 tac. Là, j'y suis allé ou pas, du coup? Nope. Non. Non de non. Oh, la vache. Ça me rappelle les jeux plus modernes que... Non, là, non, il n'y a rien. Les jeux plus modernes, vous savez, la série des Rainbow... Ah, merde! J'ai buté un coquipier, oh, le con. Je l'ai pris pour un terroriste, j'ai eu tort. Oh, mon... Eh, faut que j'arrête mes âneries, moi. Hop! Putain, m'a fait peur, ce con. Donc, la saga des Rainbow Six, pas évidente, hein, de mener un assaut sans se faire avoir. Le jeu est bien foutu. Putain, mais c'est quoi ces chiottes exiguës, là? Les étages inférieurs, on avait largement la place pour passer. Là, c'est pas validé pour les handicapés, pardon, hein. Le malheureux, il s'engouffre avec son... Ah, là, c'est mieux. Avec son... fauteuil roulant. C'est à sens unique. Ah, il n'y a plus de zik. Il a joué la musique une fois. C'est peut-être pas plus mal, vous me direz. Je pense qu'on aura à nouveau la musique ou une autre au niveau suivant. Ça permet de varier les goûts et les plaisirs. Alors, attendez. Donc là, j'ai malencontreusement zigouillé le coéquipier. Je suis un gros naze. Non, après, c'est la galerie. Oh là là, le risque que je prends en courant dans les... Dans les corridors, j'ai pas aimé le bug d'affichage. What? C'est quoi ça? Ah, c'est des plantes suspendues. Oh la vache. Hop, putain, m'a fait peur ce con.
Oui, alors là, je peux dire follow, je peux dire à mes coéquipiers de venir me rejoindre. Enfin, le dernier qui a survécu à mes tirs, à mes balles perdues. L'horreur. Hop! Oh là 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 là! Oh, merde, je suis quasiment mort là. Putain, le dédale! Je sais même pas où aller. Voilà! Il a crié! J'arrive même plus à lire la carte tellement que le c'est chargé. Je suis en train de me fourvoyer dans le dédale. Tac, tac, tac. Donc là, j'y suis allé, je crois, oui, ouais. Hop, merde. Il m'a fait peur, cet idiot. Voilà, j'ai buté tous mes coéquipiers. Je suis un gros naze. Bien fait pour ma gueule. Eh oh! Mais l'autre, faut arrêter. Il meurt jamais. Pourquoi mes coéquipiers sont pas du même acabit? Je leur tire dessus, ils meurent pas. Je suis nul. Nul, 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 nul. Ah là 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 là, lilan lolan, ouhou. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Hop, hop, hop. Mais attends, il y en a combien? Un téléviseur. Non, là, il n'y a plus rien. J'espère que c'est pas trop Gerbotron pour vous. Mais bon, c'était les jeux de l'époque. Oh merde, c'était sûr que le truc était piégé. Je voulais essayer de passer à côté de la dépouille, mais j'ai merdé. J'ai glissé, chef. Je joue très mal. C'est pas comme ça que je vais atteindre la fin du jeu, moi. Aïe, 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 aïe. D'accord. Yakupuik. Bon. J'ai l'impression d'avoir. Je suis pas convaincu. J'ai un soupçon de. Ah non, d'accord. De pièces secrètes. Hein. J'essaie vraiment de bien lire la carte. Ah non, mais il y a des trucs, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Je soupçonne un mur qui coulisse. Non? Ah non, parce que c'est ouvert là. Ok. Non, bah non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il faut que j'arrête de... Il n'y a que Puik. En fait, j'étais en train de surinterpréter la carte. Mais non, non. Alors, est-ce que de là, je peux dire que j'ai fini? Oh la vache. Pourtant, ma diode là en bas, elle est encore en jaune, elle n'est pas verte. C'est-à-dire qu'il reste du monde à débusquer normalement. La question, ouais, c'est où est-ce qu'ils sont? Pas le même flingue. Attendez. Là, j'ai fait. Ah oui, oh le carnage. Bon, c'est bien. Là, j'ai refait le plein de munitions. Ça, c'est le bon plan.
Il y a au moins un truc que je valide. Là, j'ai fait le ménage. Non, c'est bon. Il n'y a pas 50 trucs dans la galerie. Alors attends, si je repasse par là. Tac, 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 tac. Non, bah, je comprends pas. Ah, attends voir. Lui, il est en train de me dire qu'il y a... Ouais. Ah! Ça aide. J'ai la détection thermique. Donc c'est reparti mon kiki pour un tour d'inspection. Ah oui, c'était les deux rats. The wedding, the wedding. Et puis c'est les rats. Alors, s'il reste des ennemis, sans déconner, je vois pas où ils sont. Bon, bah je crois que je fais de la mouise. Qu'on se le dise, qu'on se le dise. Je vais essayer de mieux la jouer au prochain niveau. Parce que là, normalement, il valide ou pas? Oui, il valide. Là, je suis pas fier. Hein. Je suis pas fier de ce que j'ai fait. Et bof, bof. Ah oui, la musique revient. J'adore. Merde. Mais quel idiot. Oh, alors que je voulais dire que je voulais sauvegarder, moi j'ai tout de suite cliqué, enfin validé le continue. Yeah. Voilà. Je sais pas si t'es encore devant ton écran, Nash. Alors, prends ton temps, hein, ça urge pas la réponse, t'en fais pas. Sinon, je rééditerai un peu plus tard ma question, mais... Alors, pour info, on a un peu changé notre programme, FanFan et moi. Il y aura toujours l'épisode commenté chez lui, là, les suites du vol de l'Amazon. Oui, c'est cool, t'es là. C'est mes coéquipiers, faut que j'arrête... Il faut que j'identifie avant de tirer. C'est la base même des assauts bien menés. Hein? Non, mais. Eh oh là, l'autre, t'alimentes mes deux. Mais. Hein? Ce jeu. Bref. Je passerai pas relais de chaîne à FunFan tout à l'heure en début d'après-midi, mais en fin d'après-midi. Donc en gros, FunFan, il va diffuser un truc du genre 18h-21h. Ou 17h-20h, je sais plus, un truc comme ça. Donc, les bibis que je fais habituellement à cette heure-là, on va décaler. Je les ferai plus tôt, ou au pire, je ferai une édition spéciale demain. Mais ce qui m'enquiquine le plus vis-à-vis de toi, Nashevman, je t'ai promis, ça peut être aujourd'hui comme ça peut être demain, tu me dis ce que tu préfères, qu'on se fasse ensemble du mini-golf, le golf around. Donc, si t'as une plage horaire qui te convient... Le carillon. N'hésite pas à me le dire, Nashevman.
Si tu dis, ah, par exemple, le Migaf, j'aimerais bien qu'on y joue, je sais pas, de 15h à 16h tout à l'heure, ou plutôt demain, tu me le dis, et puis je m'adapte. J'y m'adapte. Faut dire aussi, j'avance un peu vite. Bon, c'est les grands corridors. Oh! Wow! M'a foutu les jetons! Oh là 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 là! Attends, j'ai demandé au gars de me suivre et puis de... Au moins, ça va mettre un coup de pied dans la fourmilière. Alors, la question est réglée. Je ne suis pas dispo du tout, toute l'après-midi jusqu'à soir inclus. Donc, on va faire le mini-golf demain. Ok. Ok, 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 ok. Merci de ta réponse. Donc, ouais, bon, on fera le mini-golf demain. Je pense que demain, on fera pas de camion. On fera l'après-midi, à mon avis, on fera mini-golf et Minecraft, du coup. Surtout Minecraft, ça fait un petit moment que je l'ai pas diffusé sur mon antenne. Je m'en souviens plus de la dernière fois. Eh ben, on fera le mini-golf demain, Nash. Y a pas de souci. D'ailleurs, c'est pas plus mal, ça se passe dans le temps, les jeux, puisque le mini-golf, on en a fait jeudi, après-midi. Oh, c'est horrible, c'est horrible! J'ai le corridor de la mort, de la moelleté. Hé! Cochonnerie! Oh la vache, le robot qui était à la fenêtre. Oh là là! Oh! Oh les boules. J'ai l'impression. Attends, mais les mecs, je leur ai dit de me suivre. Ils y parviennent pas. L'IA, elle est plantée là. Par rapport au dessin du niveau, les gars, ils sont quick. Enfin, ils sont largués. Oh merde! Hop, hop. Oh la vache. Attends, je vais rester sur mes positions d'une, parce que ça bouge encore, et de deux, je suis à l'agonie de la mort. Donc, si je veux faire un truc pas trop merdique, je vais peut-être rester sur la qui-vive et sur mes possessions. Ah si. Ah, ils essayent, je suis en train de voir les... Je sais pas si vous voyez les 3 pixels jaunes qui bougent dans la carte, c'est mes coéquipiers qui essaient de me rejoindre. Mais... Ah, on est déjà dans le jaune, ça veut dire qu'on a liquidé la moitié des ennemis du niveau déjà. Bon, bah ça va. J'aurais pu faire... Je vais boire un coup, j'ai soif. Bon, voilà. Donc là, il n'y avait pas de sanitaire. Hein, ok, il n'y avait que l'escalier d'évacuation. Les sanitaires doivent être là. Oui, bien sûr. Oui, allez, continue. Mais oui, d'accord. C'est la réserve de rats. Mais ils sont combien?
Là, j'en ai liquidé 20, là. Putain, mais j'ai plus de munitions. Faut arrêter. Eh, hey, ne me dis pas qu'il n'y a rien au bout. What? Non! Non! Vous êtes sérieux? C'était la planque des rats, dis donc. Oh là là. Il y a des niveaux qui sont dessinés, c'est n'importe quoi. Ah, j'ai un coéquipier qui me suit. Bien. Il y en a un qui a su me trouver. Comme quoi, ils sont pas tous cons. D'avoir des munitions, c'est bon pour le moral, c'est bon, bon, palam, palam. Ouais, tant que je suis là, ouais, j'allais dire, ça m'étonnerait que ça bouge vu le ménage qu'on a fait. Donc là, c'est l'horreur, c'est la guerre. Ne me dis pas qu'il va marcher dedans, ce con. Ah, eux, ça compte pas, apparemment. Ou alors, ils ont le pied fin, je sais pas. Qu'est-ce que c'est que cette merdier? Attends. Alors là, il y a clairement une entourloupe. Là, il y a un truc qui bouge. Voilà. Ah, ok, j'ai la carte est thermosensible. Ah, ah. Là, il me dit qu'il y a du monde. Bah alors, ça bouge ou pas? Il faut que je me fasse allumer, que je joue la provoque pour qui. Je mènerai l'assaut différemment. Oui! Ah oui! La sacro-sainte santé. Et encore, je me réserve une trousse de soins parce qu'à mon avis, je vais déguster entre temps. Oh la vache. Je sais plus où aller, ça tout me fait flipper. Ok. Oh là là, cette vue. Il y a quelque chose de réconfortant de voir la ville au loin. Bon. Je m'améliore. On va dire que j'aurais été diesel, vous savez, le temps de monter en chauffe. En température et... pour être bien, quoi. Attends. Là, il y a un truc, on le voit. Je sais pas si vous voyez bien ma carte. Ou alors, attends, ça correspond à quoi ce truc? Non, c'est pas. Qu'est-ce que c'est que cette pièce? Ah.
Ah ouais, il y a un truc là. Ah oui. Oh merde. On reste zen. Ok, là il n'y a plus rien. Et alors attendez. Il est où le truc suspect? Il est là. Voilà. Ah. Putain. Non mais. Ah, lance-flamme, merci. Parce que là je suis par me dire si je pousse des murs et que j'obtiens rien. Le jeu est mal foutu. Bon, ça me rassure un peu. Eh, je suis presque au taquet pour le lance-flamme. Ça fait peur, hein. Ça fait peur. Ouais, je vais changer un peu de pistolet mitrailleur. Je vais prendre l'autre modèle. Ça me permet de mieux gérer mes munitions. Alors, du coup, j'ai pas fait par ici, moi. Si. Attends, je suis où, là? Je suis dans les interstices de l'interdit, là. C'est... On s'y perd. Non, mais il n'y a rien d'intéressant. J'avais fait des chiottes. Ah oui. Oui. Ouh, mes coéquipiers ont fait le ménage. Merde. Ah bah. Je parle que j'ai buté un coéquipier. Là, ils ont franchement pas malin, les gars. Là, c'est le soupir de la désolation, là. Alors, ça, c'est une grosse salle de réunion, mais il n'y a plus rien dedans. Les chiottes, là, on avait fait ou pas? Je suis dans le jaune, pas dans le vert, donc il reste des loustiques à trucider. Mais où sont-ils? La grande question... Alors, attends, je pars à l'opposé. Ah, puis il y a eu que j'ai pas zigouillé, là, qui m'énervait. Wow! C'est quoi? C'est des robots? C'est des humains? C'est quoi? Wow! Oh le bordel. Ok. Ah ouais, il reste stationnaire. Il bouge pas. Bon, bah... Fait. C'est fait, c'est fait. Avant de sortir du niveau, il faut pas que j'oublie que j'ai une trousse de soins qui m'attend dans la réserve. Ce qui a le mérite d'être vachement cool, pratique. Je crois que j'ai rincé le niveau. Non. Putain, mes coéquipiers qui sont perdus dans les... Attends, il y a un truc qui me choque, c'est ça. Non, tout le monde est mort ici. Ok. La réserve et pourtant il me dit que j'ai pas liquidé tout le monde. Ou alors il faudra que je relise le manuel. Mais normalement, quand j'aurai le carré vert, ça veut dire que j'aurai liquidé tout le monde. Et là, c'est pas le cas. Ça me surprend. Dans quel endroit j'aurais pas débusqué un robot de mes deux là? C'est bizarre.
Oh, ce jeu, je vous jure. Et la réserve, elle est... elle était où, la réserve? Merde! Je sais plus! Non, ça c'est la salle de réunion de mes deux, là. Oh, je sais plus. Oh, le flambi, comme dirait Cadeau Anthony. I am a flambi. Allez, je passe à la suite. Bien fait pour ma tronche. J'avais qu'à mieux jouer! Let's rock. Ah! Ça veut dire qu'ils ont coupé la lumière, les salopards. Il va falloir que je m'attende à des surprises. Ça veut tout dire. Kweka Kweka! Bonjour Twinsen, j'espère que tu vas bien en ce samedi matin. Let's rock. Vous allez mourir. C'est horrible. Ah là 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 là. Ouais, allez les coquipiers là. Follow me. Voilà. Follow player. Pour me suivre. Ah! Merde. Mais ah, il y en a de partout! Et au secours, on va crever! Là, je suis obligé de me courir dans le corridor pour. Tiens, il fait frais, c'est bien la vitre. Oh! Attends, c'est quoi ce bordel? Waouh! Il y a mes coéquipiers. Oh là là! Mais il y a un nid! Mais ils sont combien dans ce niveau? Au secours! Oh la folie! Clac, clac. Oui, cousin, bien sûr. Oh là là. Attends, il y a mes coéquipiers. Il y a un robot automate terroriste derrière qui nous suit. Le bordel derrière la table fait basculer la table et tire. C'est la guerre thermonucléaire. Oh la vache, ce niveau. Ah, ça c'est la réserve. Ou pas. Si, c'est la réserve. Oh, on s'en met plein les fouilles. Ah, un peu de vie. Au moins cette trousse de pharmacie, je l'aurais pas volée. Hein. C'est la vache. On est encore dans le rouge. J'ai liquidé 25 ennemis, mais il y a combien d'ennemis là? Wouah! Violence! Attendez, je sauvegarde là parce que je suis choqué. Je suis choqué du nombre d'ennemis dans le niveau. Ils sont 50 à cet étage ou quoi? Mais non, vous êtes des trolls. Waouh! Oh là là, le bordel! Le bordel. Mais hey, les coéquipiers, surtout, danser la Macarena à côté des terroristes, hein. On se demande à quoi ils servent. Bon, allez, regagnez votre indépendance, vous m'énervez. Dispersez-vous et attaquez, là, parce que j'en peux plus. Elle est trop bizarre, l'intelligence artificielle, par moment, dans le jeu. C'est très aléatoire. Qui c'est qui que... Oh le bordel. Oh, oh la confusion. Ah, j'ai vu un robot. Oh, des robots. Oh merde, un gros balèze. Oh les boules. Oh là là, les échanges de tirs, ça part de tous les côtés. Aïe aïe aïe, c'est la guerre! Ah, robot. Aïe. J'aime bien le décor, là, les rangées de dossiers, de bouquins. On se croirait dans X-Files, pour ceux qui connaissent la série.
C'est des dossiers sur chaque Américain. Tous les Américains ont été fichés. Attends voir. Ouais bon après. Je pense honnêtement qu'il n'y a plus grand monde quoi. C'est bon. Je ne suis pas une célébrité, mais sortez-moi de là quand même. Ah, je suis passé dans le jaune au niveau de l'indicateur de Lousty qui a débusqué. Alors, je serais pas mécontent de mettre la main sur l'interrupteur de la lumière. Parce que là, ça pique un peu les yeux. Oh là là, il y a les terroristes au bar. Oh là 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 là, mais ils sont combien? C'est l'étage de la buvette là, allez hop, on n'en parle plus, gros vilain. Oi, 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 les escaliers piégés, est-ce que j'étais suivi? Non. Les toilettes, attention, les sanitaires, ça va être sport, je le sens. Ou pas. Bon. Ah, 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 c'est peut-être le... Ce que je vois là, c'est peut-être le schmilblick de la lumière. Dites-moi que c'est le schmilblick de la lumière. Oui! Enfin! Alléluia! Ah, je me sens mieux quand la lumière est activée. Ah, alors, revenons sur nos pas et soyons certains d'avoir rien loupé. Dur. Non, ça c'est le décor de fond. J'ai cru que c'était un mec qui bougeait. Oh là là. Alors, si vous avez une trousse de pharmacie, les gars, je prends. Merci d'avance. Oh! Tu es une scène. Attends que je te lise. Je suis bluffé par le pavé que tu m'as pondu. Je me suis laissé surprendre. Attends, je vais me mettre à un angle et je vais te lire de vive voix. Voilà, là où il y a un peu d'air, là où il y a les vitres qui sont brisées. Alors, tiens, l'autre jour, j'ai trouvé sur le net le jeu Dark Force. Ça me dit quelque chose, ce nom. C'est un jeu culte que j'ai pas dû faire. Le premier FPS, version LucasArts, avant Outlaws. J'ai pu y rejouer sans souci grâce à The Force Engine. Un fan a bidouillé le moteur Jedi Engine pour l'adapter à la prise en charge des écrans larges. Contrôle complet à la souris, etc. Et ça marche très bien. Et c'est aussi compatible avec le jeu Outlaws. Oh là là, hey, merci pour ces trouvailles, tu es une scène. Là, ça m'intéresse doublement. Parce que Outlaws, je l'ai pas fait, mais Fun Fan, je crois, il l'avait fait. Là, c'est l'ambiance western cowboy. Tu me corriges si j'ai des âneries. Hein. Et Dark Force, je connais pas, je l'ai pas fait. Donc, à l'idée de le faire à la sauce mise à jour par le bidouilleur de talent, ça me déplairait pas, tu vois. Mais n'oubliez pas, j'ai une liste longue comme le bras de jeux comme ça à faire en FPS 3D comme j'adore. Façon Build Engine, Wolfenstein 3D, là. Alors, j'ai le zip.fr de Dark Force si tu le souhaites. À l'occasion, ouais, merci, tu es une scène. Je devine que si ça a été bidouillé, c'est que c'est tombé dans... Alors, peut-être pas dans le domaine public, mais ça a été déclaré abandonware et à l'occasion, ouais. Merci, Tunsen, t'es adorable, t'es un chef. Ah, pardon, je m'étends un peu. Ah, c'est pas comme si c'était le matin. Je suis réveillé depuis 2h30. Et qu'on a de la bonne musique rock. Alors... J'avais bouffé les trousses à pharmacie. J'avais... Attends. Oh, il y a une salle. Dans le dessin de la carte, ça sent la salle planquée, cachée.
C'est ça. Là, il y a un truc. Ah, cool! Le détecteur thermique de la mort qui tue. Alors, le jeu, non. Mais le programme du fan est dispo gratuitement sur le net. Ah, donc il faudra que j'achète le jeu. Merci, ok. Ok pour l'info. Mais ouais, c'est pas... Comme je dis, hein, c'est pas tombé dans l'oreille de la sourde. Et puis, c'est bien tout ce que vous m'écrivez dans le chat. Mon logiciel me l'enregistre à chaque fois dans un fichier texte. Donc, à tête reposée, je peux vous relire plus tard dans la semaine pour faire le point en me disant, tiens, un tel m'a dit un truc intéressant, clac, clac, clac. Et je peux œuvrer paisiblement dans mon temps libre en fin de journée. À l'occasion, on verra. Mais merci, Tunesen. Ta proposition m'intéresse. Oh! Il y a du peuple. Hachez, people. Tapis, je me suis avancé alors que j'ai... Lui, c'est un vilain. Oh, oh, oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Attends, j'ose plus avancer là parce que... Ah, la musique... La musique s'est arrêtée. La musique, oui, la musique. Je ne sais plus viser. J'ai entendu un mec gueuler. Je la sens pas. Je la sens pas. Doudi douda. Doudi doudi. Aou. Wouah. Parce qu'en plus, c'est... d'accord, c'est... M'attendais que ce soit à double sortie en U propre, mais même pas, quoi. Donc, t'es obligé de te fourvoyer dans le truc pour les quicks. On est d'accord, c'est un cul-de-sac. J'aimerais en être certain en même temps. Attendez, pardon, je détends mes jambes là parce que je commence à avoir mal. Sauvegarde parce que je m'en sors pas trop mal. Même si ma vie est pas au top niveau. Et que j'ai déjà dégusté pas mal de balles. Pardon. J'espère que je ne vais pas piquer du nez, là, du fait d'avoir que 6 heures de sommeil. Je sais pas pourquoi mon dîner hier soir est pas passé au niveau du bide. Oh, cool. Je me suis fait des petites baguettes, des petits pains aux céréales avec du bon poisson. Et je sais pas pourquoi, mais ça m'a donné... Ça a fermenté dans mon bide. Et j'ai terminé ce matin avec un mal de bite, quoi, au niveau, j'avais trop de gaz, et il fallait que, voilà, que je me détende, que je décompresse, littéralement. Mais derrière ça, vous pensez bien, impossible de m'endormir derrière, quoi. Parce que la douleur a été telle que ça m'a brisé, au niveau du sommeil. Enfin, je me réjouis de me dire qu'on est pour moi un jour de repos, que j'ai pas à être actif, parce que en étant pas en top forme, c'est toujours désagréable. Enfin bon, c'est la vie. Voilà, parlons. Alors, c'est le problème d'aujourd'hui, je risque de souvent bâiller tout au long de la journée. Voilà, ça c'est fait. Et je vous prie de bien vouloir m'en excuser par avance. D'ailleurs, je vais me prendre une patoune en guise de d'oreiller. Pour caler ma tête, j'aurai moins mal à la nuque. J'y comprends plus rien. Le coup de pâte, de pas avoir la pastille verte là. Qu'est-ce que j'aurais. Ah oui, attends, il y a un Gus qui bouge. Et il est dans les chiottes. Ah, j'étais vu avec le truc thermosensible. Et ben maintenant tu es thermomort. Oh, une armure. Ça ne veut rien dire. Mmh.
Attendez, je commence à flipper au niveau de la du dessin de la carte. Attends, faut que j'aille là, ouais. Oui, mais j'ai déjà fait les petits bureaux, il n'y a plus personne. Là, oui, on est d'accord, il est mort. Il est mort, le soleil. Et là, ouais, donc j'arrive dans la bibliothèque. Tac, 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 là c'est bon. Oh! Il est où enfin, ceux et celles que j'ai pas encore dégommés là. Oh, le cardage! Oh, le nombre de dépouilles à cet endroit, ça fait peur. Là, j'ai mon coéquipier qui se promène comme un nigaud. Je pense qu'il a fait le ménage. Non, ça tire. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu! Mais non, mais! C'est le robot que je voulais buter, pas mon coéquipier! Vous avez bien vu que le robot était au premier plan et mon coéquipier au second? Non mais j'hallucine! N'importe quoi! Oh là 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 là! Hallucinant! Oui, c'est ça, tirailliés, malheureusement, bravo. Bonjour, la Jed. J'espère que tu vas bien. Merci à toi de nous rejoindre et de participer à l'animation de la chaîne. Ça fait plaisir. Ça fait zizir. Bon, bah, j'ai envie de déclarer cet étage nettoyé parce que je vais pas passer 5 ans à tourner en rond comme un nigaud. Je vais prendre la direction de l'ascenseur et je vais me barrer au niveau suivant. Surtout que mes jauges sont quasiment au taquet dans le vert. Ça fait au moins 3 niveaux que ça m'était plus arrivé de rincer un étage sans être amoché. Donc, cool. Cool. Non, bah j'estime, je m'en fous, mes coéquipiers à l'étage font le nettoyage dans le détail. Je passe à la suite, allez. Aujourd'hui, on va essayer d'aller jusqu'à l'étage 20. Là, on arrive au 18e. Le 20e, on va le nettoyer. Puis après, je pense que je passerai à un autre jeu. Pour faire varier les plaisirs. Et faire durer le plaisir aussi. Semaine après semaine. Ah oui, alors attends, sauvegarder. Faut toujours sauvegarder manuellement début de niveau. La musique est de retour. Mais les tirailliers, là, le friendly fire, comme tu dis si bien en anglais, la Jed, tout à l'heure, au début, j'ai fait n'importe quoi. J'ai 3 coéquipiers à chaque fois et je les ai liquidés dès le début, quoi. Mais n'importe quoi, ce que j'ai fait. Oh la vache, ça bouge déjà. Allez, c'est parti, top départ à la vachette. Oui, il est déjà derrière moi, lui, j'ai pété un carreau. Oh, c'est la guerre. Allez, j'ai à mes copains de me suivre. Ça va pas être triste. Oh là là, mais d'où ils sortent, eux? Oh putain. Oh putain. Je pense que l'assaut de cet étage, je l'ai très mal mené. Oh merde, je vais crever. Ah, on me tire dessus derrière moi. Merde, j'ai buté un coéquipier, ça y est. Friendly fire, à nouveau. Oh merde. Ça part dans tous les sens. Attends, c'est des mecs. Main en l'air! Burp. Oh, des robots.
Oh là là, le boxon. Le boxon. Ah merde, salopard. Il est venu me chercher et il m'a trouvé. Et ça fait peur. Ayez peur. Ah, on est déjà dans le jaune. Donc, on a liquidé la moitié des ennemis. Apparemment, il me reste un coéquipier qui est en vie, là, qui gigote en panique dans l'étage. Mais, c'est déjà ça. Bon. Je suis salement amoché. Mais... les corridors ont été rincés. Il va falloir débusquer dans les pièces individuelles les joyeux lurons. Je sais pas trop comment d'ailleurs. Ah merde, là ils ont ouvert. Waouh. Mon coéquipier qui m'a foutu des boules. Ah, santé. Ah, la petite trousse de soins qui fait du bien. Oh merde. Merde. Alors le théo... Ah, je voulais pas tirer sur mon coéquipier évidemment. Mais vu la confusion, hein? Bon, bah au moins tous mes coéquipiers sont morts. Le problème est réglé. Attends, qu'est-ce que... Oh la vache. La conception de niveau me fait bugger le cerveau. Oh là 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 là. Il faut que je regarde un... Ouais, à deux fois s'il n'y a pas de... En fait, c'est des salons de travail individuels, leur truc. Trop bizarre. Trop, trop bizarre. Et là... Voilà. Ouh ! Ben, j'ai un gain pour cette pièce. Petite trousse de soins. La trousse de soins qui fait du bien. Oh la vache. Attends. Oh là là, j'ai pas fait le côté là, donc j'ai pas fait les chiottes. Non. Ok. Oh. Oh oh. Ah, le v'là le lance-grenade. Waouh, violence. D'accord. Donc normalement c'est censé être la cinquième et dernière arme du jeu. Je dis ça parce que je vous rappelle que j'ai pris le temps de lire le manuel du jeu. Enfin, de survoler le manuel ce matin. Ah ouais. Ah, je me souvenais pas que je pouvais péter les murs. C'est intéressant. D'accord. Ah, stratégiquement, c'est très intéressant. Ah, c'est cohérent pour l'époque. Bon, j'aimerais bien pouvoir éteindre l'incendie, parce que... Du coup, je me suis ouvert un accès. Alors lui, un peu con. Ah, je me souvenais pas que ça marchait aussi bien comme ça, dis donc. Pour une bonne surprise, c'en est une. Ouais.
Ah. Ouf. Pas mal les néons au plafond. Pas mal, pas mal. J'aurais dû les dessiner moi-même, je m'y serais pas mieux pris. Oh la vache. Je suis troublé. Je suis troublé. Ah bah, si ça se passe comme ça dans chaque box individuelle là, que je peux avoir une trousse de soins, je signe tout de suite. Je signe tout de suite. Attends, non, c'est c'était normal. Attends, celui-là je l'ai pas fait. Merdome. Oh oh. Merde. Chaud. Chaud les mirettes, chaud chaud chaud. Alors là c'est fait. Oh. Oh oui, oh le robot. Oh la vache. Ah oui, pas évident, mais ok. Alors attends, j'ai fait le box là, il faut que je fasse celui qui est en bas. Non, il n'y en a plus. Par rapport au dessin du niveau, il n'y en a plus. Alors, les trucs centraux, j'ai pas fait, je crois. Attention. Oh là, putain, j'ai eu peur. Ah merde, c'est les flammes. D'accord, ok. Mais, bah, les flammes ont... Ah, le feu se répand. Ouais, énorme. Ah, pour l'époque, ça devait être énorme comme... comme programmation. Ah, je me souvenais pas de ça. La surprise, elle est bonne. Parce que niveau réalisme, c'est énorme. C'est énorme. Et du coup, ça donne presque envie d'essayer de maîtriser la technique de feu préventif comme font les pompiers. Cramer un truc par avance pour casser la progression du feu. Et on pourrait d'ailleurs en faire des stratégies horribles de manière détournée pour faire cuire à feu doux certains terroristes en fait. En les coinçant. En les coinçant. Alors attention. Quoi? Ah, c'est le niveau qui est comme ça? Trop bizarre. Alors, je suis deg. Ma livraison de Iron Parker Legacy est reportée à lundi. Ah, mon pauvre Rio. Ah oui, pas de bol. Ouais, tu la sentais pas. Je crois que tu m'avais dit qu'au niveau des livraisons, tu la sentais pas. Ah merde, le feu se propage. Énorme. Ah merde, puis... Attends. Mais non, ça correspond à la... Ça correspond à... Merde, merde, merde. Du coup, attends, je vais accéder au truc, je peux... Non, ça marche pas, je peux pas. Ou alors... Non, non, ça marche pas. Eh, c'est couillon, mais il aurait presque mieux valu qu'il... Ah, le feu a bougé. D'accord. Ok. Wow. Ah oui. Merde, je suis en train de prendre cher, là. Le feu progresse pixel par pixel. C'est excellent.
Alors là, le jeu, il me bluffe. Pour l'époque, ça m'oblige presque à repenser mes stratégies, en fait. Non, ils vont me dire qu'il y a... Enfin, tu me diras, j'ai pas trouvé le truc thermosensible. Donc, il y a des trucs qui m'ont échappé. Oh, bonjour, Ronnie. Ouais, t'avais espéré. Bah oui, je pense bien, cousin. Ouais, je vais bien. Merci, Ronnie, et toi? Bah, le chat, je me permets de répondre pour eux. Dans l'ensemble, ils vont bien. Mais tu sais, ils sont pas forcément devant leur écran. Ils font des trucs en même temps chez eux. Ce qui peut largement se comprendre. Donc, sois pas surpris, Ronnie, si t'as pas de réponse immédiate. Mais dans l'ensemble, tout le monde va bien. Merci. Et j'espère que toi aussi, Ronnie. Merci à toi de venir faire un coucou. Alors que moi, je suis en train de flipper. Ouais, ça va, c'est le week-end. Ouais, bah si tu peux souffler, tu m'étonnes. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Attends. Il y a un truc qui me perturbe, là. Là, dans le dessin de la carte. Bingo. Non, pas bingo. Si. Ah oui, c'est vrai qu'on peut appuyer plusieurs fois sur un... Alors ça aussi, c'est propre au jeu. Ah! Voilà qui me trouble déjà. Parce que en lisant la carte, là, je suis en train de me dire il y a un passage secret que j'ai pas fait. Ah non, c'est pas un passage secret. C'est le local technique, d'accord. Moi aussi, je fais des trucs, je plie le linge. Oh! En parlant, alors bon pli de linge à toi. Ça me fait penser, hier, je me suis laissé endormir parce que je regardais sur Twitch. Il y a Poupon et sur son serveur, sur Minecraft, ils ont fait des trucs. Faudra que je revoie d'ailleurs parce que je faisais autre chose en même temps à côté. Donc j'étais pas complètement accaparé à ça. Tout ça pour vous dire que j'avais oublié que j'avais une lessive dans le tambour. Donc au moment d'aller me coucher hier soir, je me dis mince. Faudra que je passe encore un quart d'heure à étendre mon linge. Ah, c'était hypnotique hier soir chez Poupon, leur partie de Minecraft. Ah non, j'ai cru que ça avait bougé, mais non. Enfin, je suis sûr de rien. Ah, c'est les flammes. C'est... Ah, d'accord. Bah oui, forcément. C'est un détecteur thermique. Tu m'étonnes que les flammes sont détectées. Mais... Non, mais je pense que j'ai rincé le niveau. Hein. Moi, je vais me barrer. À la fin, il y a l'immeuble qui va complètement cramer. C'est... On a fini, les forces d'intervention ont tout cramé derrière eux. Il n'y a plus d'immeuble. Un immeuble de 40 étages, mais... a plus rien. Sympa avant de se coucher. Oui, tu m'étonnes. Alors que j'aurais dû le faire au moment... Avant même d'aller dîner, en fait, hier, j'aurais dû me rappeler que j'avais lancé une lessive. Bien fait pour ma tronche. Ah là là. Bon, au moins pour lundi, j'aurai des... L'embarras du show au niveau des fringues. Ah oui, sauvegarder. Sauvegarder. Comme je suis dans un nouvel étage, nouveau niveau. Concentration. Donc ouais, niveau 19. Je fais celui-là et puis le suivant. Et puis après on passe à autre chose. Personne ? Ah ! On me disait aussi. Ça me surprenait de... Ah ! Hop là ! Ah, mon coéquipier qui me fait flipper.
Oui, j'allais dire, voilà, passe devant moi, dis rien, histoire que je te tire dessus par accident. Oh. Allez, allez danser la Macarena, bande de trolls. Je veux plus vous voir, allez, barrez-vous. Aïe, 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 aïe. Bon, je leur fais confiance. Ai-je raison? Je suis pas sûr. Ouais. Ah, Macarena. Oh, c'est vicieux, ça, comme... Wow. Eh ben, ça promet. C'est des robots, là-bas. Oui, c'est des... Ce sont des... drones. Enfin... Oui, si on peut appeler ça des drones. Des drones de plafond. Brr, 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 brr. Je la sens pas. Let's rock. Je suis nerveux. J'ai abattu 8 ennemis. En général, il y en a au moins une bonne trentaine par étage. Mes coéquipiers sont toujours vivants. Merde! J'allais dire, pour moi, ça va pas durer. Il a failli me cueillir comme une fleur, lui. Ah bah, ça s'est passé par là. Il a dû m'entendre. Pourquoi il y a... Attends, il y a un truc. Tu m'étonnes qu'il y a... Oh, cool. Tu m'étonnes qu'il y a un truc. GoldenEye. Ah, moi, je pourrais pas dire... J'y ai pas joué, par contre. GoldenEye, tu trouveras un fan passionné en la personne de mon cousin Rio. Alors, je vois un drone là-bas. Oui, bah je vais avancer au niveau du drone. Hop là. Oh là là. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Allez, je vais dire à mon équipier de me rejoindre. Ça va faire bouger les choses. Ouais, ouais, ouais. Revenez, les gars. Oh merde! Hein? Ah non. Wow. Ouais, restez là les gars, dispersez-vous. Dispersez-vous. Oula. Ouh, eh oh! L'autre, ah, j'ai tiré, il meurt pas, faut arrêter. Oh! Un bureau de travail avec une lampe, c'est trop bizarre. C'est presque un... Oh, mobilier d'interrogatoire. Je sais pas où aller. Il y a des lieux partout. Oh là là. Non, je sais pas si je peux... Wow, c'est trop bizarre. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non! Assassin! Ah, il y a un local de... De Moon. Non, c'est la santé qui me ferait plaisir, là, parce que je suis mal barré dans mon histoire. Dans mon histoire, d'ailleurs... Quoi? J'ai entendu un gars crier, non? Je flippe.
Bon, il y a mes copains qui passent en patrouille. Wow! Et moi, j'ai la trouille, puisque je suis mort. Je suis à la recherche du jeu. Ah, GoldenEye! Alors, est-ce qu'il est passé en Abandonware? C'est toujours litigieux, les statuts d'Abandonware ou pas? Police! Mais que fait la police? Et puis non, GoldenEye c'était sur console, c'était il faut voir émulation. Mais Ronnie, tu dois connaître ROM Station, le très décrié ROM Station justement, surtout du côté Nintendo. On va pas rouvrir le débat, mais je pense que tu pourrais te satisfaire de ça. Pardon, je bois mon café. Ah ouais. Ah bon, bah t'as qu'à prendre ton mal en patience, Ronnie. S'ils vont l'adapter sur la plateforme vidéoludique en version PC. Et moi je suis perdu. Je sais plus ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Voilà, je venais de désinfecter les sanitaires. Mais je ne sais pas, bon. Je ne sais pas à quoi. Attendre. Ouais, oui, c'est vrai qu'il peut y avoir un portage catastrophique. Malheureusement, c'est possible. Ah oui, j'aime beaucoup ce passage secret. Alors, moi, j'ai pas connu directement, mais j'avais un camarade de classe quand j'étais au lycée qui m'avait raconté qu'il avait été invité par un ami bourgeois qui était châtelain. Il vivait un château et il avait, comme on vient de le faire là dans le jeu, il avait un bouquin ou un bouton planqué dans la bibliothèque et en fait le mur bibliothèque s'ouvrait comme une grosse porte lourde et il avait accès à une pièce planquée. C'est trop la classe d'avoir ça. C'est juste trop la classe. D'ailleurs, quand je ferai dans Minecraft mon château, je pourrais pas m'empêcher de faire ce genre de concept délirant d'un point de vue architectural. C'est quoi cette musique de... On est tous pépère. Je voudrais la version originale, mais tu as raison, j'irai sur ROM Station. Ah ouais, je pense que tu trouveras ton bonheur. Alors que moi, il faut que je me concentre. Oh là, oh là, oh là, ça... Secret. Ça... Alors, c'est cool, mais je vais pas les prendre maintenant, en fait. C'est cool. Non. Ah non, c'est pas... Pardon. Ok, le truc ne débouche sur absolument rien. Let's rock. Je regarde, c'est débile. Je regarde la carte et même plus ce que j'ai devant moi. Voilà, et c'est comme ça que ça peut mal se finir. Au suivant. C'est exactement ça, c'est terrible. C'est terrible. Il reste plus que les nono petits robots là, les clones, les drones. Ouais bon, apparemment j'ai écumé la pièce. Et c'est tant mieux. Oh, quel idiot. Tu es mort. Je sauvegarde. Pas mécontent de ma performance. On est dans le rouge. J'ai abattu 16 ennemis, on est encore dans le rouge. C'est-à-dire que le quota de la moitié n'a pas été quick. Oh, putain. Mon carillon m'a foutu les jetons. Alors que je soupçonne un passage secret. Oh yeah. Nous avons la détection thermique.
Et c'est un avantage tactique, Nashevman. Bien, bien joué. C'est mes copains m'ont perdu. Parce que c'est quoi ce truc? Salopard, il était dans la réserve. Le trouglion de mes deux, là. Attends, mais il y a un truc. Il y a... Non, j'ai pas tout, là. Dans le niveau, j'ai pas tout. Il y a un mur qui coulisse. Non, vous êtes sérieux? Non, mais il y a un mur qui coulisse, je le vois. Ici? Ah oui, c'est ici que ça se passe. Oula. Et j'ai gagné. Ah, d'accord. Ouais, sympa. Ça se refuse pas, comme on dit. Bien joué, Nashevman, bien joué. C'est malin, ça. Oh! Un drone. Oh! Un terroriste. Quelle surprise! Oula, ça craint du boudin. Bah alors... Non, j'ai oublié de faire les sanitaires là. Ah oui. Oh les boules. Oula, il me suit. Oula, heureusement que j'avais le détecteur thermique parce que ça m'a permis de deviner qu'il y avait un poursuivant. Popo, popo, popo. Oh, il y en a un autre. Ouah, mais c'est quoi cette fourmilière de mort? Il y en a plein qui s'excitent, là. Je sais pas si vous les voyez sur la carte. Là, regardez, on voit sur fond noir. Il y a plein de pixels rouges qui bougent à mort. C'est toute une cavalcade d'ennemis qui... Éteins la lumière. Montre-moi ton côté sombre. Regarde les ombres qui errent. Cherche un peu de lumière. Tout s'éclaire. Papapalala. Je crois qu'ils sont là. Rambo ou pas Rambo? Attendez, sauvegarde. Parce que ça peut très mal tourner. Rambo! Même dans Die Hard, vous avez jamais vu ça. Oula, c'est la guerre. Vous allez tous crever. Bande de terroristes. Ouais, ils sont tous là. À mort! Oh là là. Moi-même, je suis choqué. Waouh, je suis quasiment indemne en plus. Je suis en train de voir, j'ai des alertes de certains qui lancent leur chaîne, et c'est bien. Il y a... Pour midi, je pense que je vous ferai un relais de chaîne. Enfin, midi, 13h, quand je déjeunerai. Et je me vois pas mettre une compile de clips. Je le fais un peu trop souvent. Et j'aime bien mettre en lumière les autres. Puis, à mon avis, je vous dirai, on se retrouve à 14h, 14h30. Avec toujours la sacro-sainte question du « qu'est-ce que je mange ?» J'ai la chance d'avoir l'embarras du choix. Mais faut-il encore que je me décide? Alors il serait bien que je me prenne un plat qui me maltraite pas le bidon. J'ai toujours pas compris pourquoi j'ai mal digéré mon dîner d'hier. D'hier soir, j'ai pas compris. Je m'attendais vraiment pas à ce que mon bide réagisse aussi mal. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Surtout que j'ai mangé sainement, quoi. Pain aux céréales avec du poisson. Je vois pas comment ça peut mal tourner dans le bide. À moins que j'ai cassé la chaîne du froid avec mon poisson. Éventuellement, je veux bien l'admettre, mais... bizarre. Bon, ça va, ça m'a juste donné des troubles au niveau du bide. Pas autre chose, mais quand même, quoi. Bref. Voilà, je vous raconte ma vie passionnante.
Le mec, il sait plus quoi dire pour combler le vide de son antenne. Bon, je vais peut-être aussi réfléchir de la manière dont je fais le ménage dans le niveau. Surtout qu'il y a pas mal de trucs. Alors, attends. Oui, la bibliothèque, là, j'avais trouvé le subterfuge. J'ai... Oh, la classe! Je peux même avoir le luxe de snobber, d'ignorer la trousse à pharmacie tellement que je suis bien. Bonjour, Torota! Bah, moi, je vais bien, merci, et toi? Bah, dans l'ensemble, dans le chat, ils vont bien. Merci à toi de poser la question. Puis je me permets de répondre pour l'ensemble des personnes présentes. Alors, Torota, je suis un peu gêné vis-à-vis de toi. Pourquoi? Parce que mon ami, mon bon copain FunFan, il a changé les horaires de notre week-end où j'aime bien commenter avec lui. Et du coup, on va faire l'épisode chez lui, non pas en début d'après-midi, mais en fin d'après-midi. Ce qui fait que je me vois pas reprendre mon antenne vers les 20h et quelques. Et je me voyais te faire un relais de chaîne, puisque ce soir, tu vas faire les bibis sur ton antenne. Donc je verrai, avec un peu de chance, je dis bien avec un peu de chance, j'en discuterai avec FunFan, je l'ai pas encore fait, mais peut-être qu'il acceptera de t'accorder le relais de chaîne. Pour qu'on te découvre, et puis le plaisir de te mettre en lumière. Puis, pour ceux qui seraient frustrés de ne pas avoir eu les bibis le samedi soir, parce qu'habituellement, moi, je fais les bibis le samedi soir sur mon antenne. J'ai envie de dire, c'est un peu une compensation, et du coup, on le ferait peut-être chez toi, les bibis. Alors, en espérant que ça se passe comme ça, on verra. Tu vois, quand je te disais que je peux pas te faire de... Je suis pas sûr de tenir ma promesse, Torota, j'en ai vraiment l'intention. Mais là, ça va peut-être pas bien se goupiller. Mais bon, on verra. Bonjour Christella, j'espère que tu vas bien. Merci à toi d'être là. Oui, bisous, comme dit Nashevman. C'est vrai que t'es spontané, Christella. T'as toujours le bonjour printanier pour les avances sur ta chaîne. Et c'est vrai que nous, les mecs, on est... Je dirais pas qu'on est froid, mais on est plus réservé. C'est moins automatique, j'ai envie de te dire. Et c'est vrai que c'est vachement agréable. À ce niveau-là, t'es plus jovial et géré humaine que nous, d'une manière générale. Et je salue cette... Mais je salue ta qualité. Ah, mais c'est dingue, ça. Ah, les bugs de collision. Donc jaune, j'ai débusqué la plupart des vilains. Là, j'ai fait joujou avec l'interrupteur, tout va bien. Je vous cacherai pas que j'ai envie de jouer à Minecraft après. Alors que on pourrait le faire demain aussi, mais j'ai vraiment envie de me détendre dans Minecraft après. C'est vrai que l'horaire serait inhabituel, mais j'ai une grosse envie de jouer. Alors attends, là c'est bon. Je semblerai dans les couloirs, mais en même temps, je vous prie de croire que je repointe si j'ai bien tout fait. Attends, là je peux avoir des doutes. Non, je peux plus avoir de doutes. J'avais bien rincé la partie là. Et là, il y a la partie centrale de l'étage qui est pas nettoyée. Alalalala. Et que j'ai failli me faire avouer. Non mais là-dedans, c'est vicieux à mort, quoi. Oh. Wow. Le dessin des lieux, mais c'est horrible. Oh là 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 là. Mais c'est des salles d'interrogatoire, c'est pas possible. C'est du délire. C'est du délirium, mais... Je devrais faire gauche-droite, en fait. Quand je m'avance dans les intersections, je le fais même pas. Donc du coup, je me risque à me faire quick. À me faire allumer. Mais pas comme on le voudrait. Alors, ça c'est fait. Normalement, c'est bon.
Là, on est d'accord, ça a été, mais alors, un carnage épouvantable. Je les ai tous alignés. On n'en parle plus. Oh! Wesh! Façon Rambo, je m'en mets plein les fouilles. Des munitions de 9 mm. C'est la fête. Oui, non. Ah non, c'est pas un cul-de-sac. Ce n'est pas un cul-de-sac. Voilà. Je pense que j'ai rincé le niveau, non? L'étage, il a plus de secret pour nous, là. Puis, pour le coup, le fait d'aller au niveau suivant, ça va redéclencher une nouvelle musique, donc ce sera pas plus mal. Non, bah j'estime que j'ai fini le niveau, hein. Attends, je vais revoir rapidement le côté opposé. Oui, voilà, comme tu dis, une scène. Mais quelle est la cinquième lettre de l'alphabet? Bonne réponse. Bonne réponse d'encéphalogramme plat. Ça parle mal. Alors, c'est notre côté sensible qu'on ne veut pas avouer. Ah, c'est Mimi, c'est bien dit, Nachevman. Alors, Torota, tu dis, ne t'inquiète pas, on n'est pas pressé pour faire les relais. Je préfère que tu fasses ce que tu as à faire sans penser aux relais. De toute façon, ce soir, ce sera un direct avec le cousin. Et un peu écourté exceptionnellement, donc ne t'en fais pas vraiment. Ok. Enfin, t'en fais vraiment pas. Ok, ok, si tu le dis. Le sage qui fait un carnage et sa rime. Oh mon dieu! C'est vrai, j'avoue. Alors, attends, sauvegarde de... Ah! Un fond intéressant, quand j'ai la barre de vie au taquet, j'ai 400 points de vie. C'est une info que moi-même, j'avais pas mémorisé dans le jeu. Donc c'est cool. Voilà, je fais encore cet étage-là, et puis après, on passera à du Minecraft. Car tel est mon bon plaisir. Excusez-moi, je me rassois bien. Alors, concentration, carte, tabulation. Oula! Oula! Oula, je flippe! Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouah, c'est les niveaux haute sécurité. Fini le confort, les sofas, les buvettes, les chiottes. Oubliez, là on rigole plus là. Là on est dans les étages haute technologie. Il y a des caméras partout, c'est mieux que le loft. C'est vrai en plus. Bah alors, il va crever le robot. Ah! M'a fait peur. M'a fait peur, ayez peur. Oh, le boxon. Oh oh, robot. Yeah. Comment je les ai dégommés de loin? Oh là, oh là, oh là. D'abord les grands corridors, hein. Oh là, oui. Oh là là. Au secours. C'est mes copains, c'est des terroristes, c'est... Je sais pas. C'est mes copains. Visiblement, c'est mes copains. Ça, c'est certainement pas un copain. Je sens qu'on va avoir de ces surprises dans le niveau. La flip, elle est présente, hein. Je les ai là, hein. Enfin, pas top top, mon trouillomètre est pas en train d'exploser, mais il est bien entretenu. Oh, pot de go de bœuf. Hey, mais oh, ces bugs de collision. Objection. Cet ennemi doit mourir. Tu en dis beaucoup de... pendant tes... Oui, non, mais c'est un tic que j'ai. C'est un trouble... tic de langage. Et j'étais parvenu à le corriger en partie au bout d'un an d'animation radio.
J'avais fait beaucoup de travail sur moi pour éviter les mais c'est resté, c'est... Je sais que c'est pas cool. Ça peut être agaçant à la longue, je conçois parfaitement, mais je suis navré. Surtout que le... comme le jeu me fait flipper, bah... Oh. Oh, le sas d'accès, toi. Ah ouais, d'accord, les sanitaires du 23e siècle. Oh mon dieu, chez Glock. Security. La sécurité chez moi. Je dis n'importe quoi. Bon, c'est bien, il y a les collègues qui patrouillent. Alors attends, s'il y a une symétrie, la carte me fait flipper. S'il y a une symétrie parfaite, ouais, il y a encore un jeu de sanitaire là. Dans lesquels je peux faire le ménage. Ouch, il m'a bien allumé le salopard. Oh là là. Oh là là. Franchement, j'aurais été vache en concepteur de niveau. Moi, j'aurais mis un moment dans l'eau des chiottes cassées. Et aïe, 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 panique. Et un robot qui vient de me faire ma fête, là. À la place, ou juste devant. Oh, wow, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Bon, allez, on merde. Cochonnerie. Ah, faut faire le tour du... Oulala ! Oh là là ! Mais attends, c'est du délire ! Faut que je tire. Ah oui, faut que je tire à travers la vitre qui n'en est pas une parce qu'elle s'est pas brisée. Je comprends plus là. Ouh. Je vais avoir bobo au cerveau là parce que. Fuck la logique. Vous dites quoi dans le direct? Tu as dit beaucoup de. Alors, Torota, tu me dis, tu sais, avec moi, on se prend pas la tête. Oui, non, mais t'as bien raison. Tu as parfaitement raison. Je suis patient et surtout compréhensif. Bah, grande qualité humaine. J'ai envie de dire GG à toi, dans le simple fait que c'est malheureusement pas une qualité partagée par tout le monde. Donc, bravo à toi. C'est toujours un gros plus. Ish. Gidi. Ah! Oh! Oh, quel idiot je fais! Voilà, l'autre il fait son mariole, il est content, il m'a liquidé. Chaligo! Oula! Ah oui, c'est vrai, clavier américain. Normalement, ça doit être comme ça. Saligo! Je suis pas sûr que ce soit la bonne orthographe. Enfin bon. Je sais que vous me l'accorderez. Parce qu'il y aura un féminin, ça voudrait dire saligode. C'est bizarre. Mm-hmm. Une scène, tu dis, quand on essaie de parler anglais, on dit aussi beaucoup de dans les phrases. Ouais. On aurait dit fun fan avec des cheveux blonds. Mais non. Oula. La 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 la. Est-ce que j'ai le culot de faire un assaut de manière décousue? Pour peu que ça me réussisse, pourquoi pas. Oh la vache, les robots qu'ils ont mis au plafond. Waouh, les automates, il y en a partout. Aïe. Est-ce que j'ai des poursuivants? Non. Je vais trop vite pour eux, tant mieux. Waouh. Le niveau de la flip.
le niveau de la flip absolue. Rien qu'en dégommant les, vous avez vu, en dégommant les robots dans les corridors, on est passé de l'alerte rouge à l'alerte jaune. Attends, ils se déplacent comment eux? Ouais, non, ça va, ils sont baba cool. J'aimerais bien être baba cool comme eux. Là j'y arrive pas, là, je suis désolé, mais. Ah, je vais encore me faire voir comme un bleu. Cochonnerie de saleté, de cochonnerie de saleté. Trop bizarre. Oh. Papa, papa, papa. Oh. Concentration. Ah, ah. D'où il sort? Salopard. Et quoi est une scène? Alors c'est Saligo et le féminin Saligod est rare. Ah mais il est validé. Donc j'avais vu juste. Ah merci Tunsen. Ah comme quoi mon niveau de français est pas trop mauvais alors en déduction. Merci pour l'info. Attends, ils ont nettoyé les chiottes? Non mais vous rigolez les gars. Non mais vous êtes. Le robot il est là. Non mais oh les trolls. En fait, vous êtes payé pour être... Vous êtes du côté des terroristes! Bande de vendus! C'est honteux! Je vais faire les extrêmes d'abord, là, les sas spéciaux d'abord. Et je finirai par les pièces excentriques centrales. Tout ça, toi. Merde, j'ai loupé l'entrée du truc. Oui, c'est par ici. La musique est pas mal, hein. La musique est originale. Je sais pas comment vous la trouvez, mais c'est pas dégueu. Oh, lance-lame. Yalas. Pardon, oui, parce que là je suis troublé, je suis perturbé. De me dire ce que j'ai fait, j'ai pas fait. Merde, il y avait quelqu'un derrière moi. Yes, je suis troublé, dadi dada, yes, je suis troublé. Munitions. Mais je me demande si dans le jeu ils ont pas été vicieux, ils ont bien calculé le coup. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver à poil à la fin de. Face à lui, se trouver à poil, c'est-à-dire sous-équipé. Je crois qu'à la fin, les derniers niveaux, il y a quasiment plus rien à ramasser. Donc si on perd trop de balles et trop de matos, on est foutu. Je crois qu'il y a un truc vicieux, on peut le dire. Quand j'aurai complété tous les mots dans le tableau de score, ça va donner n'importe quoi. Oui, dommage, hein, dommage. Mais il suffit d'un moment d'inattention et puis. Donc c'est reparti. Mon kiki. Donc cet assaut-là m'avait plutôt réussi. Là, il n'y a rien. Là, il y a du monde. Alors, je suis encore dans le rouge, là. Tac, 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 tac. On est encore dans le rouge. Et hop, on est passé à l'orange. Enfin, au jaune. Ça veut dire que j'ai déjà éliminé pas mal d'ennemis. À moi tout seul.
Les robots, les droïdes, là, font à moitié l'effectif des ennemis. Non, j'ai buté un coéquipier. Ah merde, j'ai eu une balle perdue de l'autre bout du couloir et je l'ai abattu. Ah, c'est ballot. C'est ballot. J'ai envie de vous dire, je suis plus assez prêt. Toujours dans le même ordre. Les chiottes d'abord, là, puis après, je fais les pièces de côté. Allez. Alors, et la médaille de... du traître vient à... Le sage de Nancy. Oh, ça parle mal. Ça parle mal. Tac. Et là, alors, j'aurais pas non plus la prétention de pouvoir affirmer. Oh, j'ai mémorisé la position des ennemis. Pas précisément. Mais... Là, au troisième, quatrième tour, je me suis suffisamment imprégné de la logique de disposition des lieux et des ennemis. Merde ou pas? Oh! Ah, oui, il y a lui là qui est Space. Qui est Space mais pas Mountain. Oh la vache. Allez, côté opposé. Go. Oh bah. Oh bah, et j'ai du bol qui m'est pas tiré dans le dos lui. J'ai l'impression que les drones, ils ont... C'est peut-être pas que lié à l'intelligence artificielle. Ils ont peut-être des modes de fonctionnement en disant paranoïa ou baba cool. Enfin, ça me fait l'effet là. Allez, variante dans l'autre sens. Soyons fous. Ah ouais. Bon, bah on va faire des pièces centrales du coup, là, non? Ah, j'aime jouer avec les portes. N'oubliez pas de ventiler. Bon, là, je sauvegarde parce que j'ai pas envie de me recoltiner, là. Merde, j'ai passé un drone, je l'ai vu. En précipite. Attends, c'est des fanions du drapeau américain. Avec le Eagle. Ça, alors là, oui. Là, on est d'accord. Là, l'écran CRT est posé au bon niveau. Il y a un siège confortable pour bosser. Là, je valide. C'était pas l'autre dans le meuble mobilier de bois, là, qui était deux têtes au-dessus. Le mec, il se fait plus qu'une sciatique en bossant comme ça. Mais... Putain, je suis perdu. Je suis perdu. Je sais plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Ça sent le mur secret. Vu la disposition des lieux, ça me perturbe. Non, c'est un truc de vitre. Ah, je sens que ce niveau va me rendre ma boule. Attends. Je suis pas satisfait de ce que j'ai fait. Voilà pourquoi. Ah, grille. Oh le matos. Matos. Ça fait envie. Oh la vache. Vous avez vu ça? C'est des cellules individuelles de prison. Wow.
Ça déconne zéro. Ça déconne zéro. Attends, ça j'ai fait. Le niveau qui rend fou. Bah, j'ai pas tout fait là. Donc j'ai pas fait le truc là. Yo. Oh, c'est un chiot. Waouh, je parle à la NASA là. Voilà, là c'est la bonne blague. Attends, c'est quoi qui filme là? Ah non, là ils ont mélangé les anciens tableaux histoire d'économiser les textures. Là c'est random texturing, là c'est texture au hasard, histoire d'animer tout et n'importe quoi. Ah, c'était les trucs astuces de l'époque pour économiser les moins de ressources. La mémoire, le support de stockage. Oh, le pauvre, je l'ai abattu. Accidentellement. Est-ce que je peux me vanter d'avoir rincé le niveau là? J'ai envie de dire oui, parce que... Encore que... Attendez. Y a pas deux pièces secrètes là que j'ai pas. Il y a des trucs qui me dérangent. Ah bah non, ça c'est le truc de la cage. Ça c'est les cellules individuelles, d'accord. Il faut que j'admette que. Attends. Ah non. Ah, c'est juste que j'ai oublié de. Oh. Mais. Bug de collision. Ah ouais, je prends tout. Non, j'étais fauché à ce point. Ah, j'étais fauché à mort en 9 mm, dis donc. Ah, bon. Si c'est le jeu qui le dit, c'est le jeu qui le dit. Voilà, moi j'estime que j'ai rincé le niveau. Ah bah oui, je suis ouvert, voyez. Là, j'ai le voyant vert, ça veut dire que tout le monde est mort. J'ai fait mon boulot. Nickel. Donc voilà, je vais sauvegarder là et puis on va passer à Minecraft. J'ai envie de jouer à Minecraft. Me demandez pas pourquoi, mais j'en meurs d'envie. Ça va me détendre. En plus que va y avoir les nouveautés là que j'expliquais à Nachevman aux antennes au début tôt ce matin. Vous allez avoir des nouvelles fonctionnalités qui sont rigolotes comme tout. Alors attendez, excusez-moi, laissez-moi le temps de faire ma cuisine. Voilà, mettons un peu en lumière ceux qui ont programmé avec génie ce jeu. Ouh, c'était court. J'ai appuyé sur rien. Hein. Ça a été très très court. Hein. Alors attends, faut que je baisse la sensibilité de ma souris parce que là elle devient folle sous Windows. Bougez pas. Et on va passer sous l'eau.